Eh ben messieurs, la chance du premier et du grand. Je le crois. Le 3. Monsieur Pays. Et Pouli Vercors. On aura pas eu de mal à l'heure. Se mettent en place. Sous les récris, le lièvre gicle en prairie. 3 minutes plus tard, les chiens arrivent au gîte et lancent. La menée va bon train, descend au bois, saute la rivière et remonte en direction des roches. À 8h28, les 10 chiens sont en défaut au-dessus des parcs à chevaux. Les conducteurs recollent, laissent l'initiative dans un premier temps, puis à 8h36, font boucler le lot sur les arrières pour tenter de retrouver la voie. En redescendant à la rivière, à 8h56, les chiens rencontrent, un nouveau rapproché se met en place, ponctué de nombreux balancés, qui aboutira à un lancer criant à 9h22. Un chien ayant pris du retard monte en direction de la petite grange. Les 9 autres emmènent en direction des prés où 3 lièvres bouquinent. À 9h37, à l'occasion d'un suraller, les chiens prennent le change et la menée file en direction du Grand Besançon, où le lièvre est vu traversant à la buvette, poursuivi vivement par 9 chiens. Nous avons apprécié un lot chasseur et très gorgé. Sur la vue 11 lièvres sur la chasse, donc c'est pour vous dire que des lièvres, vous allez en voir. Vous voulez le baptiser ? Garenne, messieurs Berthois et Pouli Frères nous présentent leur lot composé de porcelaine, de Bruno du Jura et d'un chien qu'on a baptisé Rouge de Saint-Didier. Chiens et conducteurs partent en quête en direction de Saverna devant de nombreux spectateurs. À 10h30, les récrés s'intensifient et nous conduisent au bois des Pinottes où les chiens rentrent à 10h36. 7 minutes plus tard et après un bon balancé, un chien lance à vue. Le loup emmène à la route et surale. Un second lièvre est vu, montant au bois à 10h45. Les chiens mis à la voie ont beaucoup de peine à reconnaître. S'ensuit un long défaut au bois jusqu'à 11h02, où le lièvre est vu de nouveau, débuchant à la descente et sautant la route sous la stabulation de Rémi Verrieux. Dans un premier temps, un chien seul arrive à la route. En défaut, il recule et, en se récriant, fait rameuter le loup. Le lièvre prend enfin son parti pour le plus grand bonheur de cet équipage.
Il longe grand train le bois de Saverna jusqu'à la loge à Rivoire. Après un court balancé, la chasse reprend jusqu'à l'étang de la Barotière, où le lièvre est vu, remontant par un conducteur à 11h23. Les chiens émoussés par cette descente ne parviennent pas à reprendre. Pendant 20 minutes, le lot travaille avec difficulté et recule en direction du viaduc, où, après quelques récris, un chien emmène le lot au relancé. 4 minutes plus tard, les 10 chiens débuchent sous Saverna et tombent en défaut. Ils reculent et un chien retrouve au bois. La chasse reprend et le lièvre est vu à 11h55 remontant au bois des Pinottes. Les chiens chasseront jusqu'à la fin du temps et la boucle se terminera au hameau de Flacieux. Nous avons apprécié un lot dynamique et requérant, conduit par des chasseurs sportifs, tant dans l'esprit que physiquement. Tous, vous restez sur la bosse. Ici, c'est... À 14h40, messieurs Pays et Bess vous présentent au lieu dit Piragnolon 10 chiens d'Artois d'un très bon modèle. Les chiens et conducteurs détendus partent en quête en direction des vergers. À 14h54, une chienne à connaissance. L'ensemble du lot rentre dans les herbes sèches et un lancer se produit. La menée est vive, prend la descente, franchit la rivière et après 5 minutes de bien aller, un premier défaut intervient à la route. Après 3 minutes, les chiens relèvent et la chasse, bon train, file sous la route de Saint-Sorlin, boucle la tête noire pour revenir toujours à un rythme soutenu au virage du débat. Les 10 chiens bien à la voie sautent la route. 2 chiens prennent de l'avance sur le lot et 2 chiens prennent de l'avance sur le lot. Ils emmènent par le travers et prennent la descente. En balancé aux étangs, le conducteur et le reste du lot recollent. Bien appuyés par celui-ci, les chiens retrouvent la voie et la chasse repart tambour battant. À 15h23, une nouvelle vue est annoncée. En direction de la buvette, le lièvre monte, bute au spectateur et reprend la descente en direction du ruisseau. À 15h27, le lièvre est vu pour la dernière fois à proximité des grands peupliers. Une minute plus tard, les chiens arrivent et tombent en défaut. Le conducteur, bien aux chiens, les fait boire. Cherchant à relever son lièvre, le conducteur fait travailler les chiens au goudron. Simultanément, il met des chiens en haut et en bas de la route et progresse. Méthodiquement, il travaillera les avant puis les arrières sans aboutir. La fin du temps imparti approchant, le conducteur prend le chemin du retour et après la fin du temps imparti, les chiens lanceront un nouveau lièvre aux yeux et aux oreilles des spectateurs. Nous avons apprécié cette prestation et vu des chiens passionnés, groupés, conduits sobrement par un propriétaire sportif. Qui est un peu meilleur que moi, qui a un peu plus de gorge. Vous voyez, c'est parti. Équinoxe ! Équinoxe ! Équinoxe !
merde. Donc au terme du week-end, le classement est le suivant. Donc la troisième meute du week-end est celle de messieurs Ploivy et Séon. Prestation du samedi, vous pouvez les applaudir. La deuxième meilleure prestation du week-end est celle de messieurs Bételli et Desgranges avec les bassets bleus de Gascogne. Et la meilleure prestation du week-end et de la journée est donc celle de messieurs Pays et Besse.